Bonsoir mes beaux amours, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, installez-vous bien avec le café, le chocolat, le thé, tout ce que vous voulez. Bien sûr, comme d'habitude, j'ai toujours ma tête de tête, hein, vous le savez, vous avez pris l'habitude. Hein. Voilà, installez-vous bien, comme à la maison, venez même, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, venez avec les gâteaux et tout le reste parce que là, j'ai pas fait les courses, hein. Je vous avoue, et j'ai pas le temps de cuisiner, hein. Je peux pas faire les cartes et la cuisine. Hein. Alors là, je vous le dis, hein, ça me dérange pas de faire des gâteaux, même si je suis pas la reine des pâtissières. Je préfère faire des repas salés que sucrés. Pourtant, je préfère le sucré. Aller chercher l'erreur. Ça, c'est rigolo. Mais voilà. Bon, je préfère même les bonbons. Hein. Je vous avoue, mais bon, un bon gâteau, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Ben oui, je vous fais de gros bisous, comme d'habitude, bien sûr. Et on va commencer, bien sûr, le tirage. Mais avant, comme d'habitude, je vais enlever les mauvaises énergies. Allez, allez. Déjà, à votre santé. Voilà. Bon café après manger. Bon, je sais que le temps que vous ayez la vidéo, vous serez peut-être dans les bras de Morphée. Mais c'est comme ça. C'est le temps. Et je n'ai pas allumé la lumière. Que la lumière fût. Ça serait bien, hein? Si elle voulait. Voilà. Comme d'habitude, Léo fait des siennes. Il aime bien, il aime bien. Je vous promets, il aime bien. Allez, on va travailler avec quoi? Je ne sais pas. Vous me dites? Je ne sais pas, moi. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Quelle énergie nous allons avoir ce soir? En tout cas, Léo a de très bonnes énergies, je peux vous le dire. À casser les pieds. Motivé, hein? Moi, je pense que je vais avoir des énergies. Ah, le temps de le coup. Je sais pas, le baïonner peut-être, l'attacher sur une chaise, lui mettre un baillon, me gère, on va me dire que je traumatise mes chiens, mais bon, c'est lui qui me traumatise. Léa! Je sais, je chante faux, c'est pas grave, il pleut chez moi. Hop, t'arrêtes de... Oui, tu m'aboies, oui, tu m'aboies, mais oui, tu veux te faire entendre, tu veux parler, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Votre à tout le monde, tu veux râler, que tu râles sur ta maman. Ben oui, tu râles, ben oui, mais tu râles, et tu parles à maman, mais maman, elle comprend pas ton langage. Oui, ben oui, ben oui, 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 vas-y, râle. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien, il y a personne ici. Oui, tu veux parler? Tu es trop loin de maman? Ah ben voilà, t'as peur de maman. Ah, tu reviens? Allez, reviens. Voilà, t'es content? T'es content, voilà, t'es content. Oui, t'es heureux, voilà, mon chien. Oh, ben oui, il va me renverser le café. Oh, même le téléphone. Voilà, donc il dialogue, mais je n'ai pas la traduction. Il n'est pas né avec la traduction parce qu'il est né à la maison, je peux vous le dire. Hein. Je m'en suis occupée déjà quand il était bébé. Donc après, bien sûr, il a été avec ma personne, je vous l'ai dit. Mais il est né à la maison, mais il ne m'a pas donné la traduction depuis sa naissance, hein, je peux vous le dire. Je vais demander à sa mère qu'elle me fasse, qu'elle me pondait un œuf, entre guillemets, traduction de leur langage. Hop. Chut. Cassez les oreilles. Chut. 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 Tu enlèves les mauvaises, les bonnes énergies, tu le sais? Oui, 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 oui. Allez. Triomphe! Oui, je vais triompher sur lui! Be quiet! Shut up! Ah, ça marche! Pourtant, c'est logiquement c'est pour les bergers allemands, hein. Pas longtemps, hein, mais bon. Donc, vous allez avoir le triomphe suite à une transformation par rapport au chakra du cœur. Ça veut dire que vous avez beaucoup de travail à faire, c'est que bah, vous avez souffert, voilà. Et que vous allez avoir un nouveau commencement, bien sûr. Ça, c'est bien. J'ai un problème de main, vous inquiétez pas. Et vous allez trouver l'harmonie avec... Une belle ou un beau. Je vous souhaite que du bonheur. Que du bonheur. Ça, vous le savez. Je vous souhaite que du bonheur. Et je suis très, très contente pour vous. Je suis en train de mourir. Mais... Voilà. Donc, je vais essayer de vous faire
Voilà, et c'est cassé. Pardon, excusez-moi. Il y a la couverture sur le pouf, il s'est cassé la figure. Pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Mille excuses. Vraiment, mille excuses. Allez, on va rire un peu. J'ai remis la couverture en vrac, je crois qu'il s'est vexé. Allez, on va faire avec l'oracle de lumière ce soir. La justice. La justice. Justice vraie ou justice divine? Bon, attendez, je vais boire mon café. Ça me fera du bien, hein? J'aurais jamais besoin. Alors. Voilà, j'ai la justice. Il n'y a plus rien qui veut tomber. Je voudrais au moins trois cartes et encore je travaille que c'est trop rack s'il veut pas. Mais au moins trois cartes. Ah non, ça y est, il veut, il s'est vexé. Oh là là. Donc, eh ben la justice sur un mariage et une union. Protection et voyage à l'étranger. Donc je pense, deux solutions. Ou votre hôte s'est réveillé et qu'il vous a demandé en mariage. Vous avez été protégé et qui vous a demandé de faire un voyage en lune de miel à l'étranger. Ou, le contraire, divorce. Parce que c'est la justice. Vous êtes protégé, donc vous réussissez et vous partez à l'étranger pour avoir des vacances suite au divorce. Il y a deux solutions. On ne me dit pas lesquelles hein, encore. Hein. Attendez, hein, je suis qu'au début. Hein. En tout cas, ça concerne la femme. Donc, en tout cas, mesdames, excusez-moi, je suis une dame, alors je souhaite un peu de joie. Non, mais bon, ça peut être aussi des hommes, vous savez, côté féminin, donc, bon. Non, mais quand même, non, on est des femmes, allez, on se soutient, oui, allez. Ne m'en voulez pas, messieurs, je sais, vous allez m'en vouloir, vous allez dire que je suis pour les femmes. Ben oui, je suis quand même côté féminin, nous sommes des âmes sensibles, le côté le plus sensible, le plus délicat. Vous êtes content quand vous faites des petits plats et des petites gâteries, donc je pense que nous méritons un peu plus de reconnaissance. Ça concerne bien sûr aussi l'homme. L'homme justice. Ouais. Donc, vous êtes passé tous les deux en justice ou la justice divine vous a réuni. Mais ça, je n'ai toujours pas... Bon, logiquement, je ne sais pas encore, on va voir les autres cartes. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux, des cochonneries? Donc, vous avez découvert des choses, mesdames, par rapport à votre homme. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est suite à des nouvelles. Ou suite à des nouvelles, vous allez découvrir quelque chose. Mais en tout cas, vous découvrez quelque chose. Hein. Quoi? Ma fille ne va pas être contente parce que j'ai rejeté son appel. Elle va dire, ça y est, ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Avec qui elle est et tout? Bon, c'est pas grave, elle va attendre 10 minutes, un quart d'heure. Bon, d'accord. Ah bah alors là, carrément. Donc, ça met la mort à votre couple. Voilà, donc c'était le divorce. Réussite, examen. Donc, je pense que... Monsieur n'a pas réussi l'examen de passage, entre guillemets. Et que la femme met fin à... Donc, on va essayer d'avoir un peu plus. Hein. Donc, il reste dans l'attente et dans la stagnation, bien sûr. Il a besoin de repos. Bah ouais, bah oui. Alors, peut-être la découverte, c'est que monsieur a dit qu'il avait du repos pour aller... Je ne dirais pas quoi. Bon. Besoin de repos pour l'amour jusqu'à cet été. Donc... Alors, ça peut être... la mort aussi, ça peut être un renouveau aussi.
Mais parce qu'elle est quand même entourée de la femme et de l'amour en diagonale. Donc c'est, vous savez que les jeux, c'est un peu compliqué de vous expliquer. Donc bon. Donc, j'ai fait sur 5, je sais pas pourquoi, mais bon, j'aurais pu faire. Je fais un peu sur comme j'ai envie, en vérité. De comprendre, hein. Jeunesse. Donc il est là, dans le repos pour retrouver sa petite jeunesse jeunesse parce qu'il est ah oui, repos parce qu'il est malade et qu'il essaie de retrouver sa jeunesse. Bah bien sûr, ah, peut-être qu'il a trompé madame parce que il a dit oui, j'ai besoin de repos et en vérité il a trompé. Oui, c'est un accident leur amour, en vérité la maladie ça a été un accident ce qui s'est passé. Bah oui, c'est un accident peut-être d'aller ailleurs. Ah oui, c'est un accident. Déplacement route. Beauté luxe. Alors, ce que je ressens déjà pour comme première énergie, bon, la justice, en tout cas, moi, je vois la justice divine, hein, plus que la justice par rapport à une union. Je ne vois pas spécialement obligé le mariage. Vous êtes protégé. C'est peut-être une personne que vous avez rencontrée lors d'un voyage à l'étranger. Ou peut-être que vous avez décidé de faire voyage à l'étranger, autant l'homme que la femme. Et que c'est là que vous vous êtes découvert. Vous êtes donné des nouvelles l'un l'autre. Et suite à un examen, entre guillemets, de la vie, ça a mis à mal votre couple. Vous êtes en attente et la stagnation. En attendant, vous préférez rester dans le repos et attendre votre amour. Et avoir des nouvelles de cet amour. Même si vous pensez que c'est mort avec vous, la femme, ou peut-être monsieur avec la femme, d'ici cet été, logiquement, il y aura des nouvelles. Vous avez passé aussi, vous avez eu du mal, et je pense que c'est madame qui a des problèmes peut-être financiers, et c'est peut-être ou monsieur. Suite à son travail, qui a eu du mal à venir vers vous et que ça a mis à mal la réussite entre guillemets, de venir vers vous et que c'était comme un examen, entre guillemets, parce que peut-être, moi, ce que je vois voyage à l'étranger aussi, c'est que vous êtes peut-être loin de l'autre et que, ben, au final, vous retrouvez dans la maladie, vous avez besoin de retrouver un peu votre jeunesse parce que, ben oui, en étant malade, ça ne va pas, donc vous avez un peu besoin de vous aérer l'esprit. Et cet amour, il y a eu un problème suite à des déplacements de la route. Ça a été un accident. Alors peut-être que vous avez eu un accident. Et que depuis, ben, vous avez besoin de repos. Et que logiquement, d'ici cet été, il y aura des nouvelles. Mais, bon, bien sûr, des nouvelles, des belles nouvelles. Parce qu'on voit beauté luxe avec. Voilà, j'ai un problème avec Léo qui revient à la charge. Léo! Et c'est plus ce que je vois comme. Mais Léo, laisse. Mais. Comment je fais? Comment je fais? Je peux pas tirer les cartes avec une main. Monsieur veut mon doigt. Donc pour moi, peut-être que oui, vous voulez, pour vous, c'est le travail, c'est aussi du luxe pour vous, entre guillemets, vous avez besoin d'apporter peut-être l'homme aussi quelque chose de bien à sa belle, mais je vais répéter comme je répète souvent, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent qui donne de l'amour. Voilà. Est-ce que je vais avoir d'autres messages? Je ne sais pas.
passer. Donc, a priori, vous êtes des parents, peut-être l'un l'autre, peut-être chacun de votre côté. Tout va se passer avec rapidité. Bon, d'ici l'été, pour moi, je vois pas trop. Bon, c'est vrai que pour le divin, le temps n'existe pas. Donc, pour lui, 6 mois, c'est rapide. Pour nous, c'est long. Mais ce qui s'est passé, cet accident, s'est passé aussi avec rapidité. Donc, peut-être vous n'avez pas eu le temps de vous retourner. Et ça a mis vraiment à mal votre amour entre vous deux. Et que maintenant, vous avez les idées mélancoliques. Ben oui. Je pense que vous êtes en non-communication. Parce que qui dit idées mélancoliques, c'est que vous ne devez pas discuter, parce que sinon, même si vous auriez des petites disputes, ça irait déjà mieux. Parce qu'entre la maladie et tout. Bon, ça, vous allez avec la pyramide, bien sûr, aller avec l'abondance, hein, vous connaissez, hein, donc je vous le dis. Oui, c'est suite à un adultère. Alors, puisque ça concerne, messieurs, vous voyez ce que je veux dire. Alors, messieurs. Nous allons parler sérieusement, mais mesdames aussi. Les adultères, vous m'avez, mais alors, gonflé. Ça coûte quoi de garder son kiki dans le pantalon bien fermé avec une braguette ou des boutons? Excusez-moi. Mais là, je suis désolée. C'est pas la peine d'aller voir si l'herbe est meilleure et plus verte ailleurs. Parce que c'est tout pareil. Elle va changer peut-être de couleur, un peu de forme. Voilà. Mais en tout cas, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous connaissez votre belle, hein, à part si elle est psychopathe ou n'importe quoi, je comprends que vous ayez envie de la quitter, mais si c'est une bonne personne, pourquoi aller voir peut-être une autre qui, elle, est psychopathe? Cherchez à comprendre l'erreur. Parce que là, l'accident, c'est vraiment dans votre tête. Excusez-moi, mais autant pour femme que homme, là, je m'énerve contre les deux parce que j'en ai... Oh, la tutelle. C'est comme les vipères, vous savez, ça me met en colère, ça me... Ouh. Moi, je préfère 1000 fois être avec un homme, même vous dire, voilà, on vit simplement, mon chien va finir en brochette, puisqu'il m'attrape les feuilles de l'orchidée. Je l'adore. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que je préfère, moi, personnellement, on peut vivre simplement. Il vaut mieux regarder un bon film que d'aller tromper sa femme. Si vous avez besoin de piment, je suis désolée, avec tout ce qu'il y a à la télé. Hein, il y a des chaînes, vous connaissez. Hein, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Ça peut mettre du piment dans votre couple. Il y a des gadgets aussi. Ça peut mettre du piment dans votre couple. Et les positions, les endroits, même vous pouvez faire toutes les pièces de la maison. Hein? Allez, en forêt, bon, c'est l'hiver, il fait un peu froid, mais vous prévoyez la doudoune, ou je sais pas, vous faites des trous, vous voyez, et ben voilà. Vous prenez des combinaisons de ski, vous faites des trous. Voilà, vous pouvez faire l'amour, vous aurez chaud, hein, je peux vous le dire. Bon, donc, le travail de toute façon va se passer avec rapidité, mais même aussi pour trouver du travail, c'est ce que je vois. Ce qui va peut-être vous enlever les idées mélancoliques, c'est ce que j'espère, puisque... mais bon, en tout cas, vous allez faire un travail surtout sur cet adultère. Vous allez prévoir aussi avec rapidité peut-être un voyage vers votre belle. Vous y travaillez fortement parce que vous savez que vous êtes en erreur et que vous vous êtes aperçu bien sûr que vous l'aimiez. Et que vous avez les idées mélancoliques sans elle. Ah, bravo. Mais est-ce qu'elle va vouloir vous pardonner? Ça, c'est encore notre histoire, vous le savez. Hein? Ça, c'est... Bon, heureusement que c'est que du général. Mais bon, je serai en privé, je vous engueulerai peut-être pas. Non, peut-être pas quand même. J'oserais peut-être pas. Mais j'aurais peut-être des petites réflexions, parce que vu mon caractère... après, vous faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour vous juger, mais... plus pour vous donner des conseils, mais c'est pas top. Oui, voyage pour essayer d'avoir un nouvel horizon, pour partir de plus belle avec votre belle, parce que à moins que vous voulez voir si l'herbe... Non! Léo! Attendez 2 secondes. Me voilà de retour!
Donc, à moins que vous vouliez voir encore si l'herbe elle est meilleure ailleurs. Voilà, mais de tous les côtés tu viens, de tous les côtés. Il cherche, hein, je vous promets qu'il cherche à faire des bêtises, mais des grosses bêtises parce qu'il est dans ma boîte. Léo, je te jure, tu vas mal finir. C'est toi qui mets des mauvaises énergies. Voilà. Mais non. Non. J'ai dit non, mon bébé. J'ai dit non. Oui, t'es beau. Oui, t'es beau. Oui, t'es beau, ouais, maman. Mais tu me laisses faire mon tirage. Parce que depuis tout à l'heure. Après, on me dit, oui, mais tu prends pas Léo. Tu prends toujours Marvin et Margot. Parce que Marvin et Margot, au bout d'un moment, ils se calment. Toi, on sait pas te calmer. Bon, vous allez en tout cas essayer de travailler avec sagesse sur votre nouvel horizon et l'abondance suite à bien sûr à cet adultère, à moins que vous décidiez de faire un adultère, ça aussi, vous y travaillez peut-être fortement, ça... Je tire la dernière carte et je vais prendre mon rat du miroir pour savoir. Parce que ça me... Je n'arrive pas à avoir vraiment les réponses que je veux. Allez, la dernière carte. Sinon, je vais la chercher. Allez. Bon, au printemps. Vous travaillez avec intelligence. Ouais, intelligence. J'espère pour vous, hein. Allez. Me surveille. Allez, allez. Alors, correspondance, accusation, clairvoyance. Donc, vous avez une correspondance où vous avez donné des accusations. Je pense que c'est madame, parce que vous avez été clairvoyante sur la situation qui se passait avec votre autre. Voilà. On va savoir un peu mieux peut-être. Alors, c'est dû à une distance. Et il y a la projection, donc l'ego qui travaille dedans. Les accusations vous donnent la projection de vous-même, entre guillemets. Donc peut-être que la personne vous a fortement blessé, mais si vous l'avez trompé, je suis désolée, je pense qu'elle a eu raison. Voilà, de vous dire au moins ce qu'elle avait sur le cœur. Bien sûr, suite à ces accusations, vous mettez un bouclier, bien sûr, pour vous protéger. Bien sûr, pour vous renfermer aussi sur votre coquine. Sûrement de rester en non-communication, ce qui est super. Parce que, pensez à un truc. Moi, personnellement, je suis une femme qui est assez calme d'habitude. De temps en temps, j'ai des mouvements de colère, hein, comme tout le monde. Hein, je peux. Mais moi, quand on ne me parle pas, je peux vous dire, c'est bien le truc qui me met vraiment hors de moi. Je préfère qu'on me dise merde, et même si je vais rentrer dans une grosse colère, et en, disons, ça dépend. Si on me le dit en face ou au téléphone, oui. Si on me l'envoie par SMS, je peux vous dire que là, voilà. Mais après, je préfère qu'on me dise 100 fois même merde par SMS que pas de nouvelles du tout. Parce que je vous promets que si je croise la personne... Elle a intérêt à changer de trottoir. Et vite fait. Parce que vous me voyez peut-être douce, mais j'ai une voix qui porte très loin. Voilà. La séparation. Voilà, vous êtes clairvoyante que vous devez vous séparer. Parce que monsieur, eh ben, si vous avez des accusations, c'était bien par rapport à la tromperie. Voilà. Du par rapport... Ah, alors... Il y a eu distance par rapport à la famille, les enfants, vous allez avoir la victoire. Alors peut-être que c'est un enfant aussi qui vous s'est peut-être mêlé un peu. Peut-être qu'il. Parce que qui dit tromperie, c'est peu. Adultère. Moi, c'est tromperie.
Après, c'est peut-être à quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un de la famille, hein, une meilleure amie ou n'importe qui. Hein. Ou vous êtes proche de la famille et de vos enfants et vous comptez avoir la victoire. Donc, on va savoir un peu plus. En tout cas, vous êtes clairvoyante. Il faut quand même vous protéger des enfants, peut-être des accusations aussi, pour garder la victoire, parce que bon, ben, ils n'ont pas tout à savoir non plus. Et que vous mettez aussi la distance par rapport à la famille, par rapport à leur jugement. Ça aussi. Ça, c'est peut-être pour monsieur suite à la séparation. Comme ça aussi, vous gardez la victoire, entre guillemets, pour vous, en ne disant rien, même si on vous a accusé. Au sujet, ben oui, d'une maison aussi, vous vous séparez, et c'est l'homme. Voilà. Donc, c'est vous qui faites la séparation, et bien sûr, sans parler, hein, parce qu'avec le bouclier, pour moi, et vous... Peut-être suite à la famille, aux enfants, à votre maison, peut-être que vous êtes une famille très réunie. Et comme vous êtes loin de la personne en plus, eh ben, vous avez peut-être peur de la présenter. Peut-être suivant le, peut-être vous n'avez pas les mêmes religions, peut-être pas le même niveau de vie. Et que ça peut gêner aussi la famille. Et que ben, votre autre vous l'a dit en face, ça vous l'a fait comprendre et qu'elle avait bien raison. Voilà, c'est la fatalité, bien sûr. Bon, la fatalité, des fois, ce n'est pas que négatif. Hein, parce que la fatalité, avec la victoire à côté, ça peut être que bon. C'est une fatalité que vous avez la victoire sur tout ce qui se passe en gardant le bouclier par rapport à la séparation, la famille, les enfants, par rapport à une maison. Donc, d'accord, ça, je peux comprendre que vous ayez envie de rester dans votre ego personnel. Ça... Chacun voit midi à sa porte. Ça, c'est sûr. Trois dernières petites cartes. Bon. Oui, vous le faites pour la tranquillité. Vous allez, et pour pouvoir signer un contrat aussi par rapport à une maison, alors c'est peut-être pour ça que vous et que ça vous le gardez caché. Qui ne résout pas les problèmes avec votre autre, hein, je peux vous le dire. Hein. Ah, c'est à cause de la jalousie. D'accord, donc on tient sa priorité. Ça, c'est bien beau. Vous avez une ouverture qui vous permettra d'être tranquille et avoir de la victoire. Et peut-être la victoire sur la séparation, mais bon, est-ce que... C'est la solution à faire. Vous allez faire un changement. L'ouverture, c'est pour un changement avec. On ne sait pas. Est-ce que c'est un recommencement ou pas un recommencement. En tout cas, moi pour moi, vous faites souffrir quelqu'un. Avec la femme. Et vous voulez quoi avec cette femme? Donc a priori, c'est votre autre, votre belle. C'est la consultante. Vous voulez le retour. Vous voulez retourner vers elle. Vous êtes dans la culpabilité. Vous savez que ça va mettre du temps et que vous devez travailler vers elle. Elle vous attire beaucoup sexuellement. Avec elle, tout est des moments magiques. Et vous êtes appelé à retourner vers elle. Vous savez qu'avec elle, c'est une renaissance. Vous voulez avoir une évolution parce que vous avez un problème d'argent. D'accord.
Je peux le concevoir. C'est en gestation. L'échec, c'est parce que vous êtes loin de l'autre. Et ça a mis ça, le verdict, et ça a mis beaucoup. Le verdict, c'est que vos amis vous aident. Parce que bon, vous avez de la chance par rapport à ça, mais il y a du retard par rapport à la loi. Alors peut-être le travail contre la maison et voyage aussi. Ça met à mal votre santé. Voilà, j'arrête là. Bon, j'espère vraiment que vous aurez le retour de votre autre. On va voir avec Laura des amoureux. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Seul le temps le dira. Donc, je pense que exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc, dans tous les cas, que ça soit avec votre autre ou pas, parce qu'on vous dit, seul le temps le dira, vous trouverez quand même l'amour. Bon, en dodec, il y a mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque et le temps. Le manque n'existe pas. Donc, qui vous aime beaucoup, fortement, vous êtes béni. Alors, parce que moi, je regarde aussi les images de derrière qui me donnent d'autres messages. Vous allez dire, ça y est, Karine, elle travaille complètement autrement. Ben, je sens que votre autre, il a envie de vous protéger, de vous donner beaucoup d'amour avec ces deux cartes. Vous êtes béni, protégé, même si vous n'arrivez pas à vous réunir. Vous êtes dans la tristesse, mais vous gardez le cœur ouvert et vous attendez votre autre avec impatience. Vous réunissez vers la nature pour passer le temps. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, on vous parle de gratitude. La gratitude, ça va être vous retrouver vous-même face à la nature. Et vous aimez surtout. Voilà, et seul le temps le dira, ben oui, vous êtes dans la tristesse. Votre cœur est toujours là et seul le temps le dira. Mais c'est vrai qu'il vous aime. Voilà, le problème. Est-ce que vous allez pouvoir faire face à ça ou pas? Je ne sais pas. C'est un peu compliqué parce que le pardon, suivant le temps que vous mettez à revenir vers votre autre, est compliqué suivant en plus comment vous êtes venu à vous disputer et à la non-communication. Le problème, c'est ça. C'est que vous aurez peut-être un très très gros travail à faire et peut-être que madame ne voudra plus. Madame ou monsieur? Comme je vous ai toujours dit, vous adaptez ça à vos histoires de couple. Hein. Ça peut être, je dis elle, mais bon, ça peut être il en vérité. Hein, vous le savez très bien. C'est très dur, je ne dis pas le contraire. Et je vous souhaite vraiment d'avoir beaucoup de courage parce que c'est dur de passer par des moments comme ça. Et surtout de rester en non-communication pendant plusieurs mois, parce qu'imaginez, on vous parle de l'été. Donc du printemps à l'été, alors peut-être qu'au printemps, il va réagir. Ah oui, j'ai fait une erreur, mais jusqu'à l'été, ça fait encore 6 mois. Déjà, si imaginez depuis l'hiver ou peut-être l'automne, vous êtes en non-communication, voire peut-être plus, et qu'on vous dit, entre guillemets, il faut encore attendre. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous déciderez de porter la boue et de dire stop, j'en ai marre. Voilà, donc oui, seul le temps le dira.
Voilà. Mais n'oubliez pas que vous avez toujours les cartes dans les mains et que c'est pas parce qu'on n'a pas de travail, c'est pas parce qu'il y a la famille au milieu qu'on ne peut pas aimer. Il faut penser à soi. Même qu'il y a les enfants au milieu, même qu'il y a la famille, on n'a qu'une vie. Je ne vous le répéterai pas assez. Vos enfants doivent accepter votre autre, qu'ils soient contents ou pas, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits. Ils doivent accepter. Maintenant, s'ils ne sont pas contents, eh ben, c'est leur choix, d'accord. Mais ils doivent au moins avoir le respect de vous dire bonjour et bonsoir. Et le respect de votre conjoint ou conjointe. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le respect avant tout. Je sais que pas tout le monde arrive à le comprendre. Je sais que, bon, on va me dire, oh, Karine, comment tu parles? Je dis ce que je pense parce que ça m'énerve, moi aussi. Hein. J'étais en reconstruction avec... Mais mes enfants, c'était si vous l'acceptez pas, ben la moindre des choses, le respect. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je veux du respect dans ma maison. Vous dites bonjour, bonsoir. Après, vous partez dans votre chambre, je veux rien savoir. Et si on ne veut pas, ben tant pis. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Comme ben chacun n'est pas obligé d'aimer l'autre. Des fois, il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants. Des fois, même c'est les grands-parents, vice-versa. Donc, on doit faire avec et essayer de s'apprécier les uns les autres, mais surtout en ayant le respect. Donc, on n'est pas obligé vraiment d'apprécier sur tous les plans une personne. On a tous des défauts et des qualités. Mais au moins, voilà, le respect. Bonjour, bonsoir. Je t'apprécie ou je t'apprécie pas, je te respecte. Voilà, c'est les bases qu'on nous apprend quand on est petit. Et pour moi, je trouve qu'on devrait tous les respecter de A à Z. Voilà. Bon, chacun voit midi à sa porte. Voilà. C'est mon avis à moi. Et j'espère que ben, beaucoup sont comme moi. Bon, après, je ne juge personne. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Mais être dans la gratitude et être dans le respect de chacun. Et même si on vous manque, je comprends, des fois on vous manque de respect, ça je comprends. Moi aussi, on me manque de respect, je riposte. Des fois ça mérite même pas, donc je regarde la personne et voilà. Mais après, pour les enfants, oui, il y a besoin de respect. Voilà, qu'ils soient petits, moyens ou grands. Vous voyez ce que je veux dire ? À n'importe quel âge, ils doivent avoir le respect de vous. Même quand vous serez une personne âgée, le respect. Voilà. Vous les avez mis au monde, vous les avez élevés, vous avez donné le mieux que vous avez pu pour les élever, pour leur donner un toit, de quoi manger et tout. Vous n'êtes peut-être pas les meilleurs des parents, comme chacun, on fait tous des erreurs. Mais à part les avoir traumatisés, entre guillemets, je pense que... Voilà. Il y a des enfants, je dis pas le contraire, qu'ils en veulent à leurs parents. Je dis pas le contraire. Il y a des situations, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Mais il y en a qui se mettent en quatre, qu'ils ont même pas beaucoup les moyens et qui se mettent en quatre pour leurs enfants et que les enfants ne les regardent plus. Voire vice-versa, des fois, c'est les sœurs, les frères, les trucs comme ça. Alors que les personnes ont toujours été gentilles avec vous. Et c'est les autres qui vous ont manqué de respect. Voilà. Donc, je pense que c'est beaucoup à réfléchir sur tout ça. Voilà. Bon, sur ce, mes boubous d'amour, je vous embrasserai très fort. Je sais, j'ai fait encore du blablabla, mais vous n'êtes pas obligés de l'écouter. Voilà. Je sais que Léo s'est fait entendre. Vous voyez, il s'entraîne. Il entraîne sa voix. Il fait les décibels. Voilà. De moi aussi, je pense que je vais essayer de m'entraîner sur ma voix. Je rigole, je chante pas comme ça non plus. Non, je sais même pas comment je chante, si je chante faux ou pas. Mais bon, personnellement, je m'en fous. Voilà, celui qui est pas content, il a qu'à pas m'écouter. D'où il met un casque. Voilà. Et comme on est en Bretagne qui pleut souvent, ou disons qu'il y a au moins du crachin, donc personnellement, si je peux chanter, même si je chante faux, je m'en fous, il pleut, donc je m'en fous. Je dirais, oh, c'est le temps, ce n'est pas moi. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.